ancienne maison, tu sais, pour les colonies de vacances, hein, c'est comme ça, je pense. Ouais, on dirait, hein. Avec plein de fenêtres, plein de balcons. Qu'est-ce qu'on s'appelle, les pierres en rond, pour parler et tout, tu vois. Ouais, le confessionnal, là-bas. Bon, salut tout le monde. Nouvelle vidéo, rando, à la journée. On va se taper la barre des Dourbes, au-dessus de Digne-les-Bains. On a 4 heures de marche, à peu près. Le collègue à côté, Dimitri. Salut. Collègue de Digne, je lui ai proposé la rando, il m'a dit, allez, gaz. C'est parti. On se fait ça. La barre arrivée là-haut, vous allez voir, c'est magnifique. Allez, on attaque. Digne, là où on se trouve, ça a été élu la ville la plus sportive de France en 2006, si je dis pas de bêtises. On a beaucoup de sports divers et variés, comme la randonnée, rugby, foot, tennis, golf, escalade. Franchement, on a de la chance en tant que Dinois, hein, je dis ça pour nous, hein, d'habiter dans cette, carrément, dans cette belle vallée. Là. Restez chez vous, touristes. Et voilà quoi, t'arrives en haut et tu te dis que... Tu te dis que le monde est à nous. Exact. Thank you.
Donc comme vous l'avez compris, ça y est, on est au sommet. Donc la barre des Daubes en fait, on surplombe Digne-les-Bains au fond là-bas. Et en fait voilà, c'est une grosse barre rocheuse qui fait je sais pas combien de mètres de long. Ça se compte en kilomètres. Et voilà, en fait on est en bord de falaise là. Ouais. C'est ce qui fait la séparation en fait entre Digne et du coup ouais, Mézel et les alentours. En ouais, fait. Exact. Du coup voilà, on est un peu dans les nuages là, comme vous pouvez voir. Et là-bas, derrière les nuages, vous avez le pic de Coire. C'est où on est parti avec Yaya des bivouaqueurs du sud. Donc là-bas derrière là. Donc vous avez vu, on est vraiment pas loin. Et en face, vous avez Cheval Blanc. Cheval Blanc, ouais. Et là-bas, vous avez plus le Verdon, Saint-André-les-Alpes, Alos, ouais. Etc. Nice, direction Nice, en derrière. Fait. Ça ramène sur la Côte d'Azur, du voilà. Coup. Paysage de malade à 360, en fait. Et on voit qu'on est dans une cuve, en fait. Hein. Le soleil, il a du mal, hein. Et en fait, là-bas, voilà, ça va jusqu'au bout, là-bas, la barre, en fait. Vous longez tout ça, là. On attaque la redescente, c'est 16h30, le chemin il est caillouteux, j'ai la morvonnée. La montée est plus simple que la descente. Ouais, ouais, toujours. Je préfère 100 fois monter que descendre. Hein. Ah ouais, ça, je pense que tout le monde est ouais. Tout le monde pareil. Tout le monde. Les bâtons les gars, super important pour les appuis, etc. J'espère que vous kiffez, que les paysages sont au rendez-vous. On se redescend tranquille. Bon, du coup, voilà, fin de rando, on est juste devant la maison ONF, là, et ben, on vient de là-haut. Donc, je le redis, barre des Daubes, au-dessus de Digne-les-Bains. La montée, on l'a fait en 1h15, la descente, on l'a fait en 1h. Ouais. Ça s'est fait tranquille. Bah, franchement, ouais, sur le... Ouais. Un peu au début, il faut se mettre en rythme, mais... Ouais, ça fait... C'est une rando, en fait, que vous pouvez faire, bon, à la journée, bien sûr, hein, ça c'est... easy et ben niveau personne vous pouvez mener je pense toute la famille des plus petits au moins plus petits donc bon on menait pas papy mamie non plus mais c'est largement faisable ouais. En famille entre et moyenne, amis ouais difficulté moyenne en fait note, ouais, c'est... la montée vous commencez là et jusqu'à mi-chemin en fait vous avez une sorte de piste forestière où c'est super large et ça monte vraiment progressif donc c'est super simple. Et ensuite, vous attaquez ces lacets dans la forêt. Ça va, c'est pas insurmontable. Le petit pic, on va dire, de dur, c'est sur la fin, quand vous êtes dans les pierriers. Là, ouais. Là c'est presque des escaliers. C'est un ça peu plus difficile. Ouais, ouais, voilà. Bon. Très bonne rando. Petit après-midi comme ça, je vais vous proposer ça, je pense, assez souvent. Ben, on va se rentrer, on va boire un petit coup au bar. Hein ? Bien sûr. Bien mérité. Sur ce, les gars, je vous dis à bientôt. Pas trop de folie, comme d'habitude.
Allez. À bientôt, portez-vous bien.